Donc, nous reprenons nos travaux. Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Nous recevons la Fondation Lucie et André Chaillon. Je vais vous demander, monsieur, de vous présenter, monsieur Chaillon, de présenter également la personne qui vous accompagne. Et vous allez disposer d'un temps maximal de 10 minutes pour faire votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la Commission. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur et Madame les députés. Mon nom est Claude Chaillon, comme je dis souvent, de la Fondation du même nom. Et je suis accompagné de François Lagarde, vice-président de communication, également à la Fondation. Merci d'entrée de jeu de nous avoir invités à ce débat intéressant. Je pense qu'on va peut-être ouvrir un chapitre différent, pour faire de jeu de mots. présenter une position de gens qui sont souvent peu représentés dans les débats publics, les jeunes, les enfants. Alors, pourquoi ça nous intéresse d'être ici? Je pense que vous le savez, la Fondation se consacre à une cible qu'on appelle la réussite éducative des jeunes québécois, donc dans l'objectif de prévenir la pauvreté, d'en faire des adultes autonomes économiquement et intégrés socialement plus tard, et qui pourront transmettre ces mêmes valeurs à leurs enfants. Et nous portons évidemment une attention particulière au milieu défavorisé, qui semble être le seul déterminant. il y a un lien évident avec une sous-scolarisation et la pauvreté qui s'ensuit. Si nous sommes ici dans ce contexte-là aujourd'hui, c'est vous parler de l'importance à nos yeux d'assurer l'accessibilité aux livres jeunesse aux jeunes Québécois. Comme vous le savez, nous avons un partenariat avec le gouvernement qui s'appelle l'Avenir d'enfants, et dont la mission est d'assurer l'entrée scolaire réussie de nos jeunes. D'ailleurs, demain, il y aura des grands résultats d'une enquête qui a été faite à l'échelle de la province à ce sujet. Nous sommes associés au gouvernement pour soutenir dans les regroupements locaux les efforts auprès des enfants et de leurs parents d'une stimulation précoce. Ces intervenants dans toutes ces collectivités et des experts en développement des enfants sont unanimes sur l'importance du livre dans le développement des tout-petits. Le livre, dès le plus bas âge, apporte de nombreux bénéfices en ce qui a fait au développement affectif, langagier, moteur et cognitif des enfants, et qui est précurseur donc de résultats, d'amélioration des résultats scolaires. Depuis 2012, nous avons orienté notre campagne sociétale, qui existe quand même depuis maintenant 4 ans, nous l'avons orientée sur la promotion du livre comme meilleur jouet des tout-petits. Alors, je demandais à François Lagarde de vous résumer les actions que nous avons menées dans ce domaine. Très bien. Alors, la campagne sociétale de la Fondation a été lancée en 2009. Au début, vous allez vous souvenir, on valorisait beaucoup le rôle des parents. Il y a eu une annonce assez reconnue, là, que c'était un parent dans un théâtre. On a évolué vers des gestes concrets que les parents pouvaient adopter pour la stimulation de leur enfant, parce que les parents, c'est ça qu'ils nous demandaient, qu'est-ce que je peux faire concrètement. Et ça a tellement bien marché que quand on a demandé à des regroupements locaux de partenaires, organismes communautaires, C3S et CPE, quel est le geste qui serait le plus porteur pour le développement des enfants? On nous a parlé du livre. L'an dernier, vous vous rappelez peut-être d'une campagne qu'on a fait, une vaste campagne publicitaire à la télé, qui mettait en scène des parents qui jouaient littéralement avec leur enfant et un livre. On a aussi des dossiers web. On a un magazine, Maître et Grandir, qui est distribué en 250 000 copies dans les CPE, bibliothèques québécoises. On a même produit un livre qu'on a distribué dans les milieux défavorisés ou les secteurs de défavorisation via des organismes communautaires familles, les bibliothèques et même des commerces pour aller au-devant des gens dans leur milieu de vie. Et on a eu un partenariat avec la Fondation pour l'alphabétisation autour de la lecture en cadeau pour favoriser la distribution de livres aux enfants 0-4 ans en milieu défavorisé. On a ainsi plus que doublé la portée de ce programme-là dans les milieux défavorisés. Donc, dans ce contexte, vous comprendrez que notre perspective sur la réglementation du prix de vente des livres neufs s'inspire essentiellement sur l'idée que le livre doit être accessible au plus grand nombre, en s'assurant que c'est le cas aussi et surtout dans les milieux défavorisés. Donc, plus précisément, là, sur l'accès territorial,
Nous soutenons les mesures qui vont favoriser l'accès du livre jeunesse dans les services de garde, le milieu scolaire, les bibliothèques, les librairies, et aussi le dynamisme de la production et la diffusion du livre jeunesse québécois, tel que nous l'avons décrit dans notre mémoire, et ça a été une étude intéressante. On a découvert un monde en effervescence, donc on peut être très fiers de ce domaine-là ici au Québec. Donc, sur le deuxième point, c'est celui de l'accès économique au livre. Donc, on n'est pas des experts en économie, mais en général, il est reconnu que l'élasticité de l'offre et de la demande a ses limites et qu'une augmentation du prix pourrait décourager l'achat d'un bien ou d'un service. Alors, nous croyons qu'il serait important d'évaluer l'impact de façon sérieuse de mesures ou l'impact qu'auraient des mesures sur la réglementation du prix du livre en termes d'accès aux jeunes et aux familles défavorisées. Voilà. Merci, messieurs. Vous allez avoir plus de temps pour pouvoir échanger avec les parlementaires. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, Monsieur Chair, Monsieur Lagarde, soyez les bienvenus à cette commission et merci pour votre contribution. Je vais y aller rapidement avec mes questions. Vous ne prenez pas position clairement à savoir s'il faut légiférer ou non à l'effet d'imposer un prix plancher sur le livre neuf, mais vous insistez cependant sur le fait qu'il faille faire des études préalables avant d'adopter, en toute hypothèse, une telle mesure relativement aux impacts qu'elle pourrait avoir auprès des familles défavorisées. Nous disposons au Québec d'un vaste réseau de bibliothèques publiques, donc un accès assez facile. Est-ce que ça n'est pas, hypothèse où on réglementerait évidemment, est-ce que ça ne serait pas une réponse pour ces familles défavorisées là? Oui, ce que je pourrais vous dire, c'est en préparant le mémoire, on a consulté l'Institut de la statistique du Québec pour justement voir deux choses, c'est-à-dire l'accès au livre ou l'achat du livre parmi les familles défavorisées, puis la donnée n'existe pas facilement, je vous dirais. Et la même chose pour les bibliothèques. Le défi qu'il y aurait dans certains milieux, c'est qu'il y a des parents faibles lecteurs qui n'ont pas le réflexe d'aller à la bibliothèque. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on n'est pas des experts de l'économie du livre. Il y a une quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on est très conscient que dans certains milieux, surtout en région, la perte d'une librairie est une perte d'accès territorial qui nous préoccupe, nous aussi. C'est autour de l'accès économique qu'on se demande, et on n'a pas vu d'études, sur l'impact de la mesure sur les clientèles ou les groupes plus défavorisés. Et on vous sensibilise au fait qu'il faudrait peut-être regarder ça et voir est-ce qu'il y aurait des aspects des mesures qui protégeraient ces milieux-là. J'anticipe votre réponse relativement à la question que je vais vous poser. Est-ce que une réglementation risque d'avoir des répercussions sur les habitudes des consommateurs du livre, selon vous, selon votre perspective des choses? Ce que je vous dirais, c'est en cherchant la statistique sur les acheteurs en milieu plus défavorisé, on ne dit pas qu'ils n'achètent pas, ils peuvent acheter. On présume que ceux qui achètent le livre pourraient être plus affectés que n'importe quel autre segment de la population d'une réglementation qui maintient le livre plus haut. Facile de savoir pour une famille avec deux enfants, 30 000 $, ça passe vite dans autre chose que le livre. Alors, si on augmente le prix du livre, on peut présumer que ça va les affecter. Mais on n'a pas les données, nous, et on ne les a pas trouvées ni à l'Institut de la statistique du Québec ou en faisant une recherche documentaire sur cette question-là. Et c'est à ça qu'on vous sensibilise. On pense qu'il serait souhaitable de s'en préoccuper. OK. Là, je vais vous amener, ça va être ma dernière question, parce que je vais laisser de l'espace-temps à mes collègues. La promotion du livre auprès de la jeunesse, ça c'est une de vos marottes. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Quelles sont les avenues que vous privilégiez dans vos approches? Écoutez, François pourra sûrement compléter. Je pense qu'on n'est pas les seuls, loin de là, à avoir cette préoccupation, cette promotion auprès des jeunes. Donc, on veut jouer le rôle plutôt d'aider aussi, d'être un catalyseur auprès de tous ces joueurs.
d'où, comme François le mentionnait, l'association avec la Fondation pour l'alphabétisation, etc. Je pense qu'il est important de converger les efforts des différents joueurs dans la société, à se sensibiliser à cette importance du livre pour le tout petit. C'est un jouet au départ, même quand il ne sait pas lire, il ne sait pas parler encore. Alors, je pense que tous travailler ensemble dès le plus jeune âge de l'enfant, c'est d'assurer un meilleur développement. Puis j'ajouterais, Monsieur le ministre, qu'il y a aussi tout le travail qui se fait à l'échelle locale par des regroupements d'organismes communautaires familles, par des C3S, par des CPE en développement langagier. Et ce qu'on fait, nous, à la Fondation, autour de la campagne, est en appui au travail, puis notamment du travail de terrain qui est soutenu par Avenir d'enfants, comme vous le savez, qui est un projet entre le gouvernement et la Fondation Lucie-André Chagnon. Donc, il y a l'action de campagne, mais il y a aussi l'action dans les milieux de vie qui est essentielle à la promotion du livre et dans une perspective de développement langagier des enfants. Merci, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. J'ai cru entendre, vous me corrigerez si j'ai mal entendu, vous semblez dire que la réglementation du prix du livre pourra faire augmenter le prix du livre, alors qu'il y a des intervenants qui viennent ici, qui sont venus nous dire souvent, il y en a plusieurs qui sont venus nous dire, qu'au contraire, si ton prix est réglementé, le prix va être régularisé, alors que si tu laisses le prix libre marché, ça fait à la longue, le prix du livre augmente. Alors, j'aimerais connaître votre réflexion sur ces deux choses qui s'opposent. On a choisi, en tout cas, de ne pas explorer cet élément-là pour l'instant. On a entendu différentes choses comme vous. Je pense que ce qui est important, c'est de s'en préoccuper. Ce que j'ai entendu, il peut y avoir un moment où le prix va baisser pour mieux l'augmenter plus tard, là. Alors, je pense que c'est une question qui doit embrasser plus qu'un élément dans sa solution, là. Mais je ne pourrais pas vous répondre directement à une question. Vous n'êtes pas nécessairement d'avis que le prix va monter automatiquement si on réglemente le livre, là. Vous n'êtes pas ça dans votre pensée. Okay, parce que j'ai cru comprendre dans vos propos que c'est si on réglementait, le prix augmenterait. Donc, ça favoriserait pas les gens, les personnes défavorisées ou les familles défavorisées. Dans ce sens-là, ma question était posée. Mon collègue. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'à votre avis, le livre numérique a les mêmes effets sur le développement de l'enfant que les livres traditionnels? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la question des compétences langagières, etc.? Je peux vous dire qu'on a demandé à des experts en préparation pour la campagne et de façon générale, il y a un penchant favorable pour le livre physique. Notamment à cause de l'interactivité du parent avec l'enfant lors du jeu avec le livre. On ne parle pas de lecture à 6 mois, là, mais il se passe quelque chose dans la manipulation. L'enfant le met dans sa bouche, il lance par terre. Et ce qui se passe à interagir avec le parent, même sur le plan physique, il est favorisé par le livre physique. Il y a une autre perspective aussi qui s'ajoute à ça, celle plus des gens de santé publique, par exemple, qui découragent l'écran sous toutes ses formes avant l'âge de 2 ans, ou en tout cas de le contrôler. Et vous avez déjà vu des jeunes enfants sur un iPad, comment ça peut être multitâche rapidement et passer d'une activité à une autre. Alors, on n'est pas contre le livre numérique. Ce qu'on se fait dire par les experts, c'est comme premier contact pour la lecture, un livre physique est une meilleure idée. Donc, pour la réussite éducative, vous considérez que le livre traditionnel est avantagé sur Tout à fait, parce que au départ, c'est un jouet, avant qu'il sache lire. Alors, lorsqu'il saura lire et qu'il aura le goût de lire, il pourra acheter tout ce qu'il veut sur l'Internet, là. Mais au départ, les premiers contacts, et on parle, nous, du livre jeunesse, donc, et des tout jeunes. Je pense que le livre physique est essentiel. Ce qui est intéressant, ce que je peux vous dire, c'est autant chez les mères que les pères. Chez les pères, c'est incroyable comment notre campagne a eu un succès, autant chez les mères que les pères, autour de la publicité, mettant en scène un père.
un livre, voici une occasion très simple de s'impliquer. Donc, les mères nous ont dit qu'ils sont très contentes qu'on ait mis enceinte un père qui s'implique par le livre, qui est un jeu. Je vous dire, ça a été assez important. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie. Madame la Présidente, bienvenue à cette commission. Je veux aussi vous féliciter pour le travail que vous faites dans cette tâche que vous avez, cette mission que vous avez de favoriser l'accès aux livres chez les jeunes, chez les enfants. Nous sommes à étudier cette question qui est celle d'un prix unique et de comment on peut essayer de faire en sorte que les librairies puissent survivre. Je pense que c'est ça la grande question. Vous avez parlé et vous ne voulez pas vraiment vous impliquer dans le débat, c'est-à-dire savoir, vous ne nous dites pas que vous êtes pour, vous ne nous dites pas que vous êtes contre, mais vous avez mentionné dans votre présentation la perte d'une librairie, par exemple, lorsqu'une librairie ferme. Comment c'est ressenti? Est-ce que les parents vont se tourner tout naturellement vers la bibliothèque ou si dans le... Finalement, ça les coupe d'une source d'approvisionnement, puis ils n'iront pas. Moi, je serais tentée de penser qu'ils vont se tourner naturellement vers la bibliothèque. Mais je comprends que les personnes qui sont dans les milieux défavorisés n'ont pas toujours les sous pour acheter des livres, même si elles veulent acheter des livres, puis c'est votre domaine, c'est les milieux défavorisés, mais il reste que pensez pas que ces personnes-là vont se tourner plus vers la bibliothèque. En fait, je pense que les sources de livres sont multiples. On a dans notre mémoire des statistiques qui sont assez encourageantes sur le nombre de jeunes, la proportion de jeunes qui vont à la bibliothèque et qui sont membres même. Donc, il y a un segment de jeunes qui y vont assez systématiquement. Maintenant, l'accès aux livres, et surtout pour les tout-petits, ils ne planifient pas ça 3 semaines d'avance de lire. Donc, ils sont aussi dans l'impulsivité du moment. On sait que les parents de jeunes enfants, de tout petits, de quelques mois d'âge, 6 à 18 mois, qui nous intéressent, le choisir d'accéder au livre, c'est quelque chose qui se décide dans 5 minutes. C'est pas... Donc, il faut qu'il y en ait dans la maison. Alors, il y a différentes façons d'en mettre dans la maison. Il y a les bibliothèques, il y a l'achat, il y a le don. Donc, ce qu'on se dit, nous, on a été invités par la commission, on n'est pas des experts, disons, de l'économie du livre. On est surtout là pour, et dans le même sens de l'intervention plutôt, si de façon contre-intuitive, les mesures font augmenter le livre, on s'en préoccupe autant. Donc, on n'est pas pour ou contre. C'est dans ce sens-là qu'on n'a pas pris position sur la mesure particulière parce qu'on n'a pas les données pour nous permettre... d'être certain des incidences éventuelles de la mesure. Ceci étant, on vous incite à vous y attarder. On peut présumer, par exemple, que vous devez considérer dans l'équation, là, d'une décision qui ne sera pas facile à prendre, que le livre jouet du petit, ce n'est pas un livre qu'on peut emprunter et remettre parce qu'il se met dans la bouche et tout ça, donc il lui est personnel. Alors, il y a une certaine catégorie de livres qui... ne pourrait pas se retrouver en bibliothèque. Il y aurait de gros problèmes. Oui. Est-ce qu'à votre connaissance, les grandes surfaces vendent beaucoup de livres pour enfants, pour les tout-petits, ou si les grandes surfaces vont plutôt vers des grands vendeurs, comme des biographies très, très médiatisées ou des romans très médiatisés, des livres pour adultes? On n'a pas la donnée. On peut présumer qu'ils vendent aussi du livre jeunesse plus populaire ou à succès. Je pense que le réflexe est probablement le même. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Nous allons maintenant du côté de Mme la députée de Montarville. Oui. La deuxième opposition, vous avez la parole, Mme la députée. Merci beaucoup, Mme la présidente. Bonjour, Monsieur Chagnon. Monsieur Lagarde, merci pour votre mémoire. Et sans plagier ma collègue, j'aimerais moi aussi également vous féliciter pour l'œuvre de votre fondation. C'est excessivement important, se soucier des petits. Vous parliez également de la fondation en alphabétisation. Nous les avons reçus ici. C'était
très instructif ce qu'ils nous ont dit. Et la Fondation craignait qu'au premier chef, un prix unique du livre viendrait pénaliser les familles les moins bien nanties. Vous en pensez quoi? Je pense qu'on peut inférer en théorie que ça peut les affecter, mais on n'a pas, comme François le disait, là, pu sortir de statistiques précises ou n'en retrouver à ce sujet-là. Mm-hmm. Moi, j'ai parlé à Mme Muckle à quelques reprises au cours de la dernière année, notamment dans le cadre de notre partenariat, puis on a discuté aussi de la commission. On a la nature de nos préoccupations est la même, c'est-à-dire autour à ce qui aurait un impact sur les enfants. Oui. Et la Fondation pour l'alphabétisation et nous travaillons pour faire du livre un trait culturel des Québécois. Donc, tout ce qui va favoriser le livre, c'est pour ça que je vous dis de façon contre-intuitive, quand des experts de la mesure vous disent qu'il y aura un effet à moyen terme d'augmentation du prix, si ça décourage le livre, on va être pour la mesure. Ce que je veux dire, c'est qu'on est surtout préoccupé par les effets beaucoup plus que la mesure elle-même. Et c'est cet éclairage-là. Donc, on va dans le même sens que la Fondation pour l'alphabétisation. Ailleurs, on peut lire dans votre mémoire, et c'est intéressant, que les parts de marché augmentent pour les livres jeunesse, ce qui est une bonne chose. Selon vous, c'est dû à quoi? Malgré toute la concurrence des grandes surfaces, les parts de vente augmentent. Ce que des éditeurs, des auteurs, on a travaillé d'ailleurs avec une auteure pour la production du fameux livre. Si jamais vous voulez une copie, j'en ai pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, des enfants de vos amis. C'est très important, l'ancrage culturel, même géographique, des réalités exposées dans un livre. Parfois, il y a le rêve des personnages chaminous, etc. Mais dans le livre jeunesse, l'ancrage, par exemple, au Québec, qu'il y a des scènes diverses qui soient présentées dans des livres jeunesse, etc., c'est très important dans le livre jeunesse. Nous-mêmes, on a été très impressionnés par le nombre de livres dans les catégories dites canadiennes, françaises, là, dans le répertoire Gaspard. Moi, je pense que le livre jeunesse a un ancrage géographique, nous semble-t-il, plus important que pour le livre adulte. Merci infiniment. Merci. Madame la députée de Gouin, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Merci pour tout ce que vous venez de nous expliquer. Et moi aussi, je veux parler avec vous de la Fondation pour l'alphabétisation, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'obstacle principal, dans le fond, à l'achat de livres par des personnes qui sont dans des milieux très défavorisés, évidemment, il y a l'argent, mais ce que Mme Muckle nous disait, c'est qu'il y a l'obstacle culturel. Près de 50 % de la population du Québec a de la difficulté à lire. On ne veut pas dire que les gens ne lisent pas du tout, mais on va parler d'analphabétisme fonctionnel. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que de toute façon, pour cette immense partie de la population et leurs enfants, bien entendu, c'est culturellement difficile d'aller acheter un livre. C'est pour ça qu'en fait... Moi, j'ai envie de vous poser la question, mais est-ce que le vrai problème pour les gens en milieu très défavorisé, souvent moins instruits, etc., c'est le prix du livre ou si le vrai problème, c'est la pauvreté, c'est l'analphabétisme, c'est le faible niveau de scolarité et que donc, il faut imaginer toutes sortes de solutions pour aider les enfants et leurs parents? Là, ça va prendre quelques heures pour répondre à ça. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais d'où l'importance, comme le mentionnait François tantôt, du travail terrain. Il y a plein de, moi je les appelle les missionnaires, les experts un petit peu partout qui veulent, qui ont quand même cette connaissance et qui peuvent épauler ces parents-là, à les sensibiliser à l'importance, à leur permettre d'avoir accès à des livres ou autre chose. Et... d'avoir comme futur, pas seulement ce que j'aurai de quoi mettre sur la table pour mes enfants demain matin. Donc, c'est complexe comme situation, et c'est là où une communauté locale peut créer un environnement plus favorable à une jeune famille, surtout en milieu défavorisé, parce que ceux qui sont en classe moyenne ou favorisée, ils sont capables de s'organiser. Donc, cette communauté locale d'organiser un environnement plus sain pour supporter ces parents-là et offrir... entre autres, un jouet comme le livre à leurs enfants. Merci. Merci, messieurs. Nous allons suspendre quelques instants pour permettre au prochain intervenant de prendre place.